Nous voulions parler de quelque chose de très sérieux. La fête c'est bien, mais c'est aussi une actualité de Christophe Guillermet que l'on voulait vous présenter dans Fashion's Life sur Moonone TV. C'est la sortie de ton premier parfum. C'est vrai. L'eau de toilette, Christophe. Bah oui, ça fait déjà un an en fait qu'on est sur le projet. Le fait de rentrer sur TF1 m'a permis d'aller un petit peu plus vite au niveau de l'aboutissement. Mais voilà, donc je présente en fait le tapis rouge de Christophe Guillermet. Donc pas tapis rouge parce que j'avais envie de fruits rouges. Donc y a, la note principale c'est le cassis, mélangé avec du pamplemousse rose. Et ensuite il y a plein de, c'est un oriental fruité, gourmand. Il y a aussi du musc, il y a de la vanille, il y a du patchouli. Enfin je sais que c'est une senteur coup de cœur qui a été faite par le nez Jean-Denis Cesse qui est de Théoule-sur-Mer. Je sais pas, il a eu un flash sur mon travail en voyant un de mes défilés à Cannes il y a 2 ans. Il m'a dit je veux faire un parfum. Enfin je trouve que c'est comme une quintessence, c'est vraiment l'aboutissement quelque part de ma démarche créative. Enfin voilà, ça m'a parlé tout de suite, il m'a fait quelque chose, on a fait quelques modifications, mais c'était vraiment quelque chose qui tout de suite j'ai fait ah oui c'est ça. Et voilà, et ensuite après avec les ateliers d'Inan, on a signé une licence et j'ai pu donc faire développer la bouteille, le packaging, le shooting de la campagne qui a été fait en face du crayon à Place de la Concorde. Ça, ouais. C'est tout un univers et ce qui est sympa c'est que c'est en même temps parisien, en même temps c'est vrai qu'on me connaît beaucoup pour un petit peu le créateur qui est dans les jeunes, qui habille un peu les personnalités. Donc ça me paraissait évident de faire le tapis rouge, red carpet. Ça parle aussi de manière internationale. Et c'est vrai que voilà, j'espère que ça va plaire. En tous les cas, pour l'instant, ça commence plutôt bien. Bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite parce que c'est aussi un moyen de t'exprimer. Il n'y a pas que le vêtement, le stylisme, il y a aussi effectivement... C'est aussi, ce qui est très intéressant, ce sont des circuits de distribution complètement différents, donc pas les mêmes journalistes, c'est absolument passionnant de, voilà, d'avoir... Et puis je sais pas, c'est un truc un peu de folie d'imaginer qu'on a son parfum, je trouve ça formidable. Mais tu le mérites, c'est Christophe, vrai, non tu le mérites, ça il faut le dire, il faut être très franc avec toi, parce que tu es un vrai créateur. Bah, je trouve que ça fait vraiment, ça montre un univers et ça permet de... Je sais pas, ça termine l'histoire, je trouve, de manière assez jolie. On en pense déjà à un deuxième, si celui-là fonctionne, et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Celui que tu viens de créer est pour femme. Oui. Hein. Oui, mais alors justement, il y en aura sans doute un mixte, et il y en aura sans doute un homme très rapidement, parce qu'en fait, on va pouvoir enfin s'habiller en Christophe Guillermet, nous, messieurs. Voilà, ce sera le parfum d'abord. Le parfum d'abord, avant de porter des vêtements. Christophe Guillermet, moi je ne désespère pas un jour de vous présenter effectivement une émission Fashion's Life habillée en Christophe Guillermet. Hein, depuis quelques années, je le travaille au corps, mais je ne désespère pas. C'est ça, mais c'est des projets à long terme. On sent que là, ça commence à reprendre, il y a une reprise, on sort de cette crise. Voilà, donc on n'a plus besoin d'aller faire les couillons à la télé, on peut enfin, enfin se consacrer à la mode et à faire ce qu'on aime et à développer des vrais projets. Oh, c'est très très bien. En tout cas, félicitations encore une fois parce que c'est un gros travail et tu l'as mené de main de maître, comme on dit. Donc félicitations et puis à très bientôt pour le prochain défilé. Merci Franck, à bientôt.